Comment récupérer ou supprimer un mot de passe Excel? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va commencer par se rendre sur le site de passfab.fr, voilà, et cliquer directement sur ce bloc ici à droite, ou alors aller sur l'onglet produits, mots de passe de MS Office et choisir Passfab for Excel. À partir de là, on peut choisir de l'acheter directement pour 15,99€ ou cliquer sur essai gratuit pour avoir le logiciel. Donc moi, je clique dessus, il va se télécharger, puis on va l'installer. Donc une fois installé, le logiciel ressemblera à ceci avec deux options parmi lesquelles à gauche, récupérer le mot de passe Excel et à droite, enlever la restriction Excel. Donc on va tester la deuxième option et pour ça, on va utiliser un fichier Excel bloqué qu'on a déjà ici. Voilà, donc on va ouvrir le dit fichier et dès qu'il est ouvert, on va essayer de faire des modifications qui sont bien sûr bloquées, qui sont bien sûr refusées parce qu'on n'a pas les droits. On va donc essayer de retirer la protection en cliquant sur l'onglet révision puis ôter la sécurité. Voilà, et on ne peut pas parce qu'on n'a pas le bon mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'application Passfab for Excel au niveau de l'option 2. Voilà, enlever la restriction. On va importer notre fichier ici. Voilà, le voici. On clique sur Open. On attend un peu. Et là, c'est bon. On va cliquer ensuite sur Supprimer pour enlever le mot de passe, pas le fichier, ne vous inquiétez pas. Voilà, directement après, c'est bon. La protection a été enlevée. Donc, on va cliquer sur Ouvrir le fichier. Voilà, là on nous ouvre un nouveau dossier contenant le fichier qui a déjà été bypassé, qui a déjà été déverrouillé. Donc on va l'ouvrir. Ok, et on se rend compte qu'on peut le modifier à notre guise. C'est totalement libre, comme si on avait toujours eu les droits en fait. Voilà. Donc c'est à ça que notre solution nous sert. Vous pouvez aussi récupérer les mots de passe Excel avec la première option. Il suffit d'importer le fichier comme précédemment et de choisir ensuite la méthode de récupération, puis cliquer sur le bouton récupérer. C'est aussi simple que ça. Ok, donc ce sera tout pour ce tutoriel sur Passfab for Excel. Voilà, j'espère que ce logiciel te sera utile si tu te retrouves dans la même situation. N'oublie pas que les liens sont dans la description, que ce soit pour la version d'essai ou la version en achat direct. Sur ce, c'était Mighty Fake, on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne. Bye.